Madame, monsieur, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce titrologue de ce jeudi 2 août 2018. L'affaire de la révocation du maire de la commune du Plateau occupe la une de la majorité des journaux ivoiriens ce jour. Commune du Plateau, détournement de fonds, Noël Akossi Bendjo révoqué, barre à sa une, Fraternité Matin. La décision a été adoptée en conseil des ministres ce mercredi. Le maire de la commune du Plateau a été révoqué de son poste pour faux et usage de faux et grave déviation dans la gestion, a annoncé le porte-parole du gouvernement. Que disent les tests en la matière? La réponse dans Fraternité Matin. Le journal Le Sursaut s'intéresse aussi à l'affaire de la révocation du maire du Plateau. Voici ce qui a coulé à Akossi Bendjo, titre le journal, qui prétend détenir les preuves qui justifient cette décision du gouvernement ivoirien. Limogeage du maire Akossi Bendjo, Ouattara défie Bédié, peut-on lire à la une du Bélier intrépide. Pour certains observateurs, cette révocation est perçue comme une sanction du régime contre le maire du Plateau, qui reste un des opposants au parti unifié RHDP, en plus d'être un lieutenant de Bédié. Pour Nyamien Yao du PDCI, le parti ne cédera pas et restera debout. Le titrologue pour aujourd'hui s'est terminé. Retrouvez comme d'habitude tous vos journaux en ligne sur la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention et à demain.